Hello, bonjour, comment ça va? Caroline me fait, hey, regarde, on a un message d'amour en haut. Et euh... <laughs> bon, et là je me dis, oh, ben zut, trop tard, euh, c'est l'heure, c'est l'heure pour moi d'être avec vous et j'en suis mais tellement contente. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui évidemment, on va voir euh, la charte. On est à la charte 4. mais euh, c'est pas mal en fait. Ce qui, on va pas avoir de grandes nouveautés. Je vais juste passer à travers avec vous parce que ben, c'est toujours la même chose. Faire attention, peut-être surligner pour les petites fautes d'inattention et tout, mais nous n'avons pas de nouvelles techniques qui vont arriver. Donc, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire bah, parler un petit peu de super bouquins de châles, peut-être qui pourraient vous inspirer. Euh, voilà, des choses que je ne vois pas, hein, mais euh, si, euh, si c'est bientôt votre anniversaire, ou on a toujours une très très bonne raison de se gâter, de toute façon, euh, voilà, j'avais envie de vous parler aussi de ça. Euh, et puis. Euh, mais Moi, je suis inspirée par le fait que je donne autant de cours de châle. Alors, je me suis un peu lâchée lousse. J'ai aussi, euh, <laughs> aussi acheté plein de laine pour la boutique en dentelle. Les filles capotes, Genre, c'est quoi encore ce colis euh, ben, C'est encore de la laine à dentelle, moi. <rire> Donc, <rire> je vais commencer par la laine. Je vais enchaîner par les bouquins. Et puis, on va passer sur la charte 3. Puis, j'espère que tout le monde va bien. Euh, je suis tellement contente d'être avec vous euh, aujourd'hui. Il se passe plein de choses en boutique cette semaine. Je ne sais pas si vous suivez un peu les fils de nos réseaux sociaux, mais alors, euh, c'est du feu de Dieu. Ça me permet même de, euh, ça me permet même de renouer avec l'amour de l'écriture. Je passe mon temps sur le blog en ce moment. J'adore ça. Donc, je vous disais Hélène, on va faire rapidement parce que ce n'est pas pour faire de la pub, c'est juste parce que ben, vous me connaissez maintenant. Moi, la laine, je capote ben raide. Donc, j'ai reçu de la Mini Maiden. Alors, c'est quoi la Mini Maiden C'est une laine de Handmaiden, Handmaiden, compagnie canadienne qui est installée en Nouvelle-Écosse depuis les années 70. Euh, à la base, ils fournissaient une école de, euh, de design d'art textile. Et puis, ben, ils, euh, ils ont commencé à en faire leurs propres couleurs. Donc, super, super compagnie. À la base, ça s'appelle Fliss Artist. Puis, ensuite, la fille de la femme qui avait monté ça est rentrée aussi dans le business. Et ils ont monté Handmaiden, qui est en fait la même compagnie, mais qui s'occupe des fils entre, entre guillemets plus nobles. Donc, j'ai commandé. Là, regardez-moi ça. La euh, Mini Maiden, 500 mètres, super intéressant si vous voulez faire le Out of Darkness. Ça ne vous demandera qu'un seul écheveau. Euh, c'est ce qu'on appelle un single ply c'est super doux. Donc 50% laine merino, 50% soie. Et regardez comme la soie avec le single ply resplendit. Comme elle n'est pas twistée, elle va vraiment resplendir. C'est une laine que je vais tout le temps réserver plutôt aux accessoires. Puisque comme la laine n'est pas twistée, elle sera plus fragile. Mais super. Alors évidemment, moi, j'ai vu la couleur piscine. Et je l'ai montré aux filles en disant, oh, regardez, c'est ma mienne, elle est à moi. Bon, je l'ai laissé parce que, parce que, ben, je n'ai même pas terminé le châle que je, vous en, que je vous explique en ce moment. Mais voilà, ou alors la couleur, ça je pense que c'est océan, voilà, qui me fait capoter. Et évidemment, ma tourmaline et la petite rose, je ne sais plus à qui j'ai dit, euh, c'est la Shell Pink, quand, quand je l'ai photographiée, j'ai fait, c'est pas ma couleur, hein, mais elle m'émeut, cette couleur, elle m'émeut vraiment. Donc ça, voilà, c'était la mini maiden et puis la petite dernière euh, j'ai fait le Opremain si vous vous rappelez avec donc ça c'est super intéressant on est sur un euh, je vais dire des bêtises il va falloir que je révise et on est sur 80% de Merino et 20% de bébé chameau et eh oui du bébé chameau c'est un fil intéressant c'est un 8 plis on va le voir de très très près j'adore quand je parle un petit peu, justement, un peu plus technique, c'est un 8 plis. Donc, on a une, une maille qui va être extrêmement définie parce que c'est un fil qui est très, très rond. Euh, elle bloque magnifiquement bien. Hein. Ceux qui sont rentrés voir mon, mon châle en boutique, il a très, très bien bloqué. Euh, vraiment super facile à tricoter. C'est vraiment un beau fil rond. C'est un 400 mètres au 100 grammes. Pour le haut plumage, j'en avais pris deux. Euh, je vais remontrer, voilà, moi, cette couleur-là. C'est pareil, je ne sais pas si vous voyez les nuances à l'intérieur, il euh, y a un peu, de, un peu de vert grisé, un peu de, de mauve, un peu d'améthyste, voilà. Puis évidemment, euh, au cas où le message subliminal ne serait pas passé, du turquoise, parce que le turquoise c'est la plus belle couleur. <laughs> Donc voilà, euh, au niveau des livres, c'est pareil, je vais y aller rapidement, mais c'est vraiment des livres que, euh, ben j'ai depuis un sacré bout de temps, je les ai beaucoup utilisés, notamment pour les conférences que j'ai données sur YouTube. Vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est complètement gratuit. Euh, le premier s'appelle Victorian Lace Today. Alors c'est pas un, un livre qui date d'aujourd'hui, hein. il est de Jane Sowerby. Alors ce que j'ai trouvé super dans ce livre là c'est que euh, elle a repris des patrons de l'époque de l'époque victorienne. elle les a évidemment un petit peu contemporainisés, mais il y a aussi toute une partie sur l'histoire même du euh, du, châle, du châle de l'époque. Euh, vous allez notamment apprendre que la reine Victoria a été un grand sponsor pour l'art du tricot et notamment elle a sponsorisé euh, l'une des premières femmes à avoir écrit un livre de patrons de tricot et qui donnait les premières chartes pour comprendre. Donc Madame Gauguin juste une petite photo, voilà pour, voilà pour vous inspirer. Voilà, c'est le type de patron qu'elle elle a mis et euh, c'est encore une fois, c'est pas juste un livre de patrons, c'est un livre d'histoire, c'est un livre de patrons. Et à la fin, elle fait encore mieux. Elle vous montre comment créer votre propre châle. Voilà. Donc c'est euh, voilà, que vous, que vous vouliez faire un châle triangulaire, euh, euh, octogonal. Euh, bon, elle explique tout. Donc, euh, alors, c'est technique, hein, je vous dirais que ce n'est pas un débutant qui va prendre le livre et va se créer son châle octogonal, définitivement. Mais euh, si vous y connaissez un peu, c'est très intéressant. Et puis, euh, vous pouvez commencer par un châle euh, très, très euh, basique aussi. Euh, moi, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce livre. Voilà, donc euh, c'est plus un livre, je pense, qui est paru, mais j'imagine que sur euh, comment ça s'appelle déjà le truc de bouquin, <laughs> Amazon. sur Amazon, oui. <laughs> non, on, comme on achète des toasters, j'arrive plus à, à lier avec le, le livre. Donc sur Amazon, je pense que vous pouvez en trouver et euh à Lynn qui dit « Victoria Lace, mon livre préféré, il est tellement beau yeah. ». <laughs> voilà, donc c'est bien, merci Lynn, on est bien d'accord. Moi, c'est un des premiers livres de dentelle que j'avais acheté à l'époque, puis je l'adore. Le deuxième livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est « Knitted Lace of Estonia ». Donc, c'est de Nancy Bush. Nancy Bush a fait un super beau travail aussi sur la dentelle estonienne. Encore une fois, ce n'est pas juste des patrons, c'est quelqu'un qui a été plus loin. Elle a vraiment été regarder l'histoire euh, de la dentelle estonienne, d'où est-ce que c'est parti. Euh, elle a été rencontrée des tricoteuses sur place pour vraiment pouvoir euh, sortir tout un livre là-dessus. Donc c'est très très intéressant de comprendre les origines même. De, de la dentelle estonienne puis évidemment, ben voilà elle a, elle a euh, contemporanéisé encore une fois euh, le, le, la, la dentelle estonienne en vous proposant des patrons j'en cherche un j'en cherche un qui est un peu fou, craqué, malade il est où euh, j'en cherche un qui avait été fait à la base pour la reine de Suède rien que ça, voilà voilà donc euh, voilà, je, je le trouve assez fou avec la technique des nop, qui est une technique très très particulière, qui permet notamment d'être sûr que le euh, châle est fait à la main, puisqu'elles ne, ne peuvent pas être reproduites vraiment par des machines. Une autre chose, et ça c'est assez intéressant, c'est qu'à cette époque-là, donc on parle, on est dans, les, on est dans le XXe siècle, 1900 et des poussières à cette époque, euh, les châles n'étaient pas vendus par rapport à, au talent qu'il y avait derrière ils étaient vendus au poids. Donc plus je fais des nopes, plus ça pèse lourd. <laughs> Donc voilà. En plus de l'histoire, évidemment, en plus des patrons, il y a une petite bibliothèque de points. Elle n'est pas gigantesque, hein, je vous le dis tout de suite, hein, ce n'est pas la moitié du livre. Mais il y a une petite bibliothèque de points traditionnels euh, qui, euh, qui est ajoutée à la fin du livre. Voilà. Donc, c'était ma petite parenthèse avant de commencer le cours. Coucou, coucou. Caroline On fait la charte 3 aujourd'hui. Non, on fait la charte 4 aujourd'hui. Oui. Parce que tu avais le setup, la charte 2, la charte 3. Et aujourd'hui, on est sur la charte 4, n'est-ce pas Que je ne me trompe pas. Bref. Ah, on a une. Parfait, et eh bien c'est parfait puisque de toute façon on va le retrouver ce fameux petit V inversé en vert. On va le retrouver donc on va le réexpliquer. Euh, moi, ce que je m'étais dit là pour repasser à travers, je vais y aller rang par rang juste pour voir les petites euh, spécificités. Euh, je vais réexpliquer notamment ce que c'était qu'un double jeté, ce genre de choses. Attendez, je cherche juste un moyen de marquer mon rang. J'aurais peut-être dû m'arranger, excusez-moi. Bon, évidemment. J'essaye vraiment d'être le plus organisé possible, mais j'ai trop de choses à organiser. C'est ça mon problème. Okay. On va aller là-dessus. Allez, on va commencer. Donc, euh, on va commencer par le début. Donc, on va commencer par le rang 1. De notre fameuse charte 4. Première chose, charte 4, voyez bien, work arms only. Donc on ne va la travailler qu'une seule fois. On retrouve nos fameux colonnes en noir. Combien, alors c'est toujours intéressant, combien est-ce que j'ai de colonnes en noir J'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit la dernière fois Je mets des colonnes en noir parce que. Je vais augmenter le nombre de mailles. Donc pour pas que ma charte se retrouve toute croche, pour bien que les motifs soient alignés les uns au-dessous des autres, et eh bien le temps que j'ai le nouveau nombre de mailles, je vais mettre des colonnes noires. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mailles pour le moment. Donc ce qu'on ce qu peut voir, c'est qu'on a trois colonnes noires. Donc une, deux, trois, ça veut donc dire que quand je commence au bas de ma charte, j'ai trois mailles de moins. Hein. Je vais faire un jeté, puis un autre jeté. Mais quand je vais arriver en haut de ma charte ici, je vais donc avoir trois mailles de plus, puisqu'il n'y a pas de colonne. Puis on peut regarder aussi que arrivé au rang 11, eh bien, j'ai deux colonnes noires qui disparaissent. Donc j'ai deux, j'ai deux mailles de plus qui se sont rajoutées dans chaque motif. Et que c'est à partir du rang 18 que euh, à partir du rang 19, excusez-moi, que cette fois-ci, bien j'ai la totalité de mes mailles. OK Donc on a vraiment trois mailles qui vont se rajouter. Allez, on y va pour la lecture. Donc, comme d'habitude, on va commencer pareillement. Je le dis pourquoi C'est parce qu'il y a des moments où les débuts vont être différents, d'accord Donc, on commence comme d'habitude, donc on voit on a nos petites diminutions, mais on retrouve notre fameux double jeté, d'accord Donc jeté suivi d'un jeté. On se rappelle ici, il ne se passe rien, d'accord On se rappelle que sur le rang envers, quand on a le double jeté, on va donc faire une endroit, une envers. Hein on n'oublie pas que le signe moins, c'est un signe négatif. Les petits carrés blancs, c'est du jersey. Donc sur ce rang-là, je suis à l'endroit, je suis sur un, un chiffre impair, je suis sur l'endroit. Donc sur l'envers. Ici, je fais de l'envers hein, puisque c'est du jersey sur l'envers, mais j'ai un signe négatif, ça veut dire que je vais faire une maille endroit au-dessus de mon jeté. Je, rem, je remontre rapidement le double jeté pour euh, celles peut-être qui euh, n'ont pas encore abordé la charte 3. Hop, et ça fait toujours un petit. Euh, un petit récapitulatif, donc le double jeté, comment je vais le faire Alors, je vais partir pour faire un premier jeté. Donc, je mets mon fil devant, je le ramène sur l'aiguille vers l'arrière. Ça, c'est un jeté pour en faire un deuxième. Bah, c'est facile, je vais refaire un tour, et voilà, je me retrouve donc avec deux mailles sur mon aiguille. Après, il y a un petit SSK, d'accord Donc, ça, tout simple, ok. Je vais même le refaire, voilà. Donc tout simple, on voit mon double jeté, il est là. On voit que ça fait des gros trous. Je vais vous montrer après à quoi ils correspondent. Allez, je le refais une dernière fois avec la petite caméra. Donc je commence avec un jeté traditionnel. Je mets mon fil devant et je ramène ma boucle derrière, ma, mon fil derrière, et je vais réentourer encore une fois. Voilà, ok. Puis après vous avez une diminution, je ne vais pas la faire pour ce coup-là. Bon, qu'est-ce qui va se passer sur l'envers de mon travail Sur l'envers de mon travail, quand je vais arriver à mon double jeté, hein, il est très très facile et clair à voir. Hein, je vais commencer en tricotant d'abord une maille à l'endroit. Donc je suis plus sur, le... je fais plus des mailles envers. Je commence par une maille en droit, Je laisse tomber le premier fil, je ramène le fil devant et à ce moment-là, je vais tricoter une maille à l'envers. Voilà. Ok, et on continue. Hop. Allez, j'en ai un dernier. Donc, comme je vous disais, hein, c'est vraiment facile de savoir quand j'arrive à mon jeté. J'étais en maille envers. Je passe mon fil derrière pour faire d'abord une maille à l'endroit. Je laisse tomber la première boucle. La deuxième est encore sur mon aiguille. Je passe le fil devant et je vais tricoter une maille à l'envers. Allez, et on finit le rang. Voilà, donc pour le premier rang, c'est ce que vous allez rencontrer. Au deuxième rang, je rencontre quoi Alors, au deuxième rang, au deuxième rang, eh bien, reviennent nos fameuses mailles en droit torse et les trois mailles ensemble d'un côté et le fameux SSSK de l'autre. D'accord Quand ça part à droite, dites-vous que c'est toujours des mailles ensemble. Quand ça part à gauche, c'est toujours une diminution à gauche, donc un SSSK. Pour faire une maille torse, ben c'est celle que vous faites d'habitude au début du rang. La différence, c'est qu'elle est, qu est coloriée en vert. Ça veut donc dire qu'on place une perle avant de la tricoter. Okay Je remonte rapidement comment est-ce qu'on fait trois mailles ensemble parce qu'il y a un petit truc qui était bien pratique hein, pour celles qui l'ont testé. Donc trois mailles ensemble, quelque part, ça peut être compliqué avec un fil fin d'arriver à, euh, à les prendre. Les trois ensemble. Donc qu'est-ce qu'on fait On se simplifie la vie, on fait comme d'habitude. On va tricoter deux mailles ensemble, on va remettre la maille que l'on a obtenue en tricotant les deux mailles ensemble, on va le remettre sur le fil de gauche et je vais simplement rabattre une troisième maille par-dessus. Cette maille-là est tricotée, hein, je vois il y a le fil donc je la remets sur l'aiguille de droite, il n'y a pas besoin de la tricoter encore plus. Donc ça c'est le petit truc pour tricoter les trois mailles ensemble. Pour faire le sssk donc le glisse, glisse, glisse tricote, je vais prendre la première maille comme à l'endroit, la deuxième maille comme à l'envers. C'est pas dramatique si vous les faites tout à l'endroit, c'est juste que ça va permettre à votre aiguille de mieux repénétrer dedans. Et la troisième comme à l'endroit. Donc je l'ai pris en droit, envers, endroit pour les glisser. Après ça, je repasse mon aiguille de gauche au pied de ces deux mailles-là, de cette aiguille-là. Et je vais les tricoter ensemble. Voilà. Et ça va partir à gauche. Je recommence. Donc je glisse une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. Voilà. Et ensuite, je vais simplement glisser mon aiguille de gauche au pied de ces trois mailles-là et les tricoter ensemble. Voilà. Donc euh, rien de nouveau si vous aviez déjà fait la charte 3, mais. Euh, on ne sait jamais, on en reparle. Sur le rang suivant, pas de, pas de surprise pour vous, hein, des diminutions, des jetés, des mailles torses. Il n'y a aucune surprise, vous savez le maîtriser. Sur le rang suivant, oh, encore plus facile, hein, simplement des diminutions et des jetés. Vous êtes devenue super bonne là-dessus, je sais qu'il n'y a pas un problème. Et là, tout d'un coup, ah, pourquoi est-ce que j'ai highlighté ce rang-là en hein, orange Parce que on se rappelle, je suis une tête de linotte <laughs> Et que euh, une fois que je suis partie, j'ai tendance à partir en mode automatique et à oublier que dans ce patron là, les changements de fil se font sur les rangs envers. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici Eh bien, on peut voir que sur le rang 8. Eh bien vous avez les, le fil B qui doit embarquer. Donc je coupe mon fil A en laissant au moins 10 cm, je fais un petit nœud et je vais commencer à tricoter avec le fil B. Donc mon rang envers, attention, il est fait avec mon mohair ou l'autre fil que vous avez décidé d'utiliser. Après ça, haha, le prochain rang qui est le rang 9, chiffre impair donc rang à l'endroit, Qu'est-ce que je vois Eh bien, je vois ces fameuses petites valeurs négatives. Je suis sur l'endroit. Normalement, je fais du jersey. Quand je vois ma valeur négative, ça veut dire que je vais tricoter mes mailles à l'envers. Et c'est pour ça que tout d'un coup, ça change sur les augmentations. Ici, hop, regardez bien, c'est pour ça que je me le suis, euh, comme je vous disais, moi je suis tête de linotte, j'ai beaucoup d'outils pour éviter la distraction. Donc, ici, maille torse, maille endroit, augmentation intercalaire gauche. Sauf que la prochaine augmentation, ce n'est pas une augmentation intercalaire comme ce qu'on avait l'habitude au début des rangs endroits. C'est un pearl front and back, c'est-à-dire une maille envers qui est dédoublée. Je vais vous la remontrer. Donc, c'est une augmentation sur une maille à l'envers. Donc, je mets mon fil devant, évidemment. Donc, front and back en anglais, devant et derrière. Donc je tricote ma maille à l'envers dans le fil de devant. Et après ça, je vais aller chercher le fil de derrière. Voilà. Oups, come on. Voilà. Je viens chercher le fil de derrière comme pour le tricoter à l'envers. Et je le tricote et il repart d'où il est sorti. Voilà. OK. Allez, je le refais une dernière fois. Donc, une maille à l'envers dans le brin endroit. Quand c'est fini, je vais venir chercher le petit fil de derrière. Et je vais lui aussi le tricoter à l'envers. Voilà, pearl front and back. Donc, à part ça, c'est un rang qui est très facile, on est d'accord. Euh, simplement, donc, ce qu'on voit, c'est que... Sur le rang 13, donc le rang. excusez-moi, ça va être plus facile comme ça. Donc sur le rang 13, on a un peu en front and back. Okay. Sur le rang 12, on voit que c'est que des mailles à l'endroit. Sur le rang 9, on était que des mailles à l'envers. Donc ça, vous l'avez déjà vu. Euh, vous en avez fait. Euh, vous avez déjà expérimenté. Juste prêtez vraiment attention. Si, comme moi, vous avez un peu une tendance à partir en pilote automatique. Voyez ce que je fais, hein, je surligne d'une couleur différente pour marquer le rang qui change de fil et je m'entoure les petites choses qui vont changer. Okay. Ensuite, on arrive, alors ça c'est le rang 11, on arrive à ce fameux petit V. Donc on me disait tout à l'heure, qu'est-ce que je ne sais pas c'est quoi le petit V. Alors le petit V, c'est simplement euh, un fameux knit front and back, donc c'est aussi une augmentation dans la maille. En partant d'une maille à l'endroit et elle est perlée, donc je vais sortir mes petites perles, mon petit crochet. Et voilà mon petit crochet, mes petites perles. Oui, les carrés verts, c'est toujours pour indiquer que tu vas avoir des perles dans, euh, dans ta maille. Donc je suis ici. Première chose, d'accord, je vais prendre ma maille et je vais l'insérer à l'intérieur de... prendre ma perle et l'insérer dans ma maille. Voilà. Ok, on est ici. Maintenant, je vais faire ce knit front and back. Donc, je vais tricoter ma maille dans le brin de devant. Voilà. Je sors mon aiguille, donc la boucle, sauf que je ne laisse pas tomber la maille de mon aiguille de gauche. Je vais simplement... Venir tricoter dans le brin de derrière. Et voilà, ça s'appelle un knit front and back. Ok, allez, j'en refais un. Donc, toujours, si le carré est vert, ça veut dire que je perle ma maille d'abord. Donc, je suis là, j'attrape ma maille, je laisse tomber ma, ma perle sur ma maille. Je la replace sur mon aiguille et après ça, je suis prête à dédoubler la maille en la tricotant d'abord dans son petit brin de devant. Je ressors mais je ne laisse pas tomber la maille de mon aiguille de gauche, puis après je vais tricoter dans le petit brin de derrière. Et voilà. Donc... Et c'est aussi, vous voyez, j'ai trois augmentations. Une, deux, trois. Euh, j'ai un, deux, trois, quatre jetés. Et je vais avoir, donc ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept mailles qui sont rajoutées. Et on va voir si j'ai autant de euh, diminutions. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai six diminutions seulement. D'accord Donc euh, c'est évident que je vais avoir une maille de plus dans ces cas-là. OK voilà euh, Caroline, tu as une question pour comment moi demander, euh, comment, ajouter le fil? comment ajouter le fil parfait je vais terminer là dessus parce qu'on va avoir bientôt terminé non, non je comprends on va avoir bientôt terminé parce que là le reste vous en êtes vous êtes avez vous avez excusez moi tout à fait l'habitude donc là on est sur des rangs avec des valeurs négatives de Jersey là des doubles jetés on en a déjà fait avec la maille en droit sur le rang en vert. Les mailles torses, vous avez aussi bien sûr l'habitude. Attention, petite spécificité sur le rang 17, à la fin et au début, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, tout d'un coup, on a des petites mailles perlées torses qui s'invitent ici, à la fin et au début. D'accord Donc, très important. C'est parce que vous allez voir que sur les bords de votre châle, je vais vous montrer la bébête finie. Donc, sur les bords de votre châle. Quand on arrive à la fin, on arrive sur euh, des bordures qui vont être plus perlées. Donc on va les retrouver, euh, on, va, on va vraiment euh, plus retrouver des perles vraiment en, en bordure de châle. C'est tout à fait normal, d'accord? Voilà. Euh, donc voilà, ça, tout ça vous. Euh, on on s'en se est, est bien parlé. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça fait quand même. Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça OK. Donc déjà, à quoi ressemble un double jeté Et eh bien un double jeté, ça fait un espace, un jour qui est beaucoup plus gros qu'un simple jeté. Vous voyez, ça c'est des simples jetés. Et eh bien le double jeté est beaucoup beaucoup plus gros que le simple jeté. Là vous voyez la différence quand je vais partir de mon fil normal, fingering, et que j'aborde le fil de mohair. Donc ça c'était notre charte 3. Dans notre charte 4, on recommence avec le fil normal, arrive le mohair au milieu. Donc on a des doubles jetés, vous voyez, qui sont beaucoup plus présents. Ça commence à ouvrir énormément le motif. Et. Vous allez terminer en ayant commencé avec du mohair. Voilà. Alors, maintenant, comment est-ce que je fais pour rajouter un bout de fil d'une couleur différente Alors là, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Ça pourra même vous servir, j'imagine en tout cas, si vous pêchez. Parce que euh, si vous voulez attacher un bout de fil <laughs> au bout de votre canapé, et c'est pas, pas mystérieux du tout, hein. euh, c'est pas une technique. Euh, c'est pas une technique hyper précise mise au point par des générations et des générations de tricoteuses, hein, soyons honnêtes. Euh, vous prenez un fil, là j'ai pris un fil beaucoup plus gros parce que c'est ce que j'ai sous la main. Hop, je suis là. Ça c'est ma technique à moi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont une technique super raffinée. Moi c'est la mienne puis ça fonctionne bien, alors je l'utilise. Voilà, je fais un petit nœud tout simplement. J'amène mon fil ici. Et je commence à tricoter avec celui-là. Et je vais couper en laissant au moins 10 à 15 cm de fil des deux fils pour pouvoir les rentrer avec mon aiguille. Souvent, l'erreur que font les débutants, c'est de penser que le petit nœud, je coupe par abord, ça va suffire à tenir mes fils. Non, la laine, c'est une matière glissante. Si en plus vous avez de la soie, bah alors là, on est passé sur l'échelle 2 euh, pour le côté glissant. Donc, vos, vos nœuds ne vont pas tenir. Surtout que... On va se parler du blocage très bientôt. Vous allez voir qu'on va le faire souffrir le châle, on va l'écarteler et on va être. Mais ça va être pour son bien, ne vous inquiétez pas, ça va vraiment être pour son bien qu'on va lui faire ça. Euh, donc si j'étire, 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 votre nœud, je vous promets, qu'il ne va pas tenir. Et là, pop, 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 tout va se casser et euh... ça va être dur de rattraper ça. Surtout en bordure. Ça va être très 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 dur. D'accord? Donc aussi simple que ça, vous me faites un petit nœud, vous laissez du fil pour le rentrer. Voilà. Ah quelle laine j'utilise aujourd'hui <laughs> Céline qui se demande une heure avant le cours bon il faut que je leur monte quelques mailles pour faire les démos alors euh, j'ai pris qui est pas vraiment de la laine à dentelle mais elle bloque quand même bien j'étais assez surprise puisque j'ai fait le bolane avec j'ai utilisé la sabri donc la sabri je vais vous la montrer d'un petit peu plus près voilà c'est un 85% de coton biologique avec un 15% d'alpaga et c'est comme si l'alpaga euh, lui avait donné un petit peu plus de flexibilité parce que le coton à la base ben c'est pas une laine qui est très élastique c'est pas une laine que euh, je vais forcément recommander pour de la dentelle puisque à la base le coton n'a pas beaucoup d'élasticité donc je vais pas pouvoir euh, l'écarteler comme j'aime écarteler mes châles mais euh, mais c'est une fibre qui est très agréable. Moi, je la consacrerais plutôt pour un châle qui n'a pas forcément de dentelle, et il y en a beaucoup. Euh, je vais le consacrer ça peut être une petite étole très simple. Et évidemment, je le consacre définitivement pour tout le, le genre petite camisole et tout, c'est super. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions pour moi quel est le châle que je porte aujourd'hui Alors, le châle que je porte aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont le reconnaître, c'est le fameux laminaria. C'est un patron gratuit. Alors, attendez, j'aimerais... Ah, je sais ce que je vais faire. On va le mettre en... Je vais, je vais, je vais le mettre avec les caméras parce que j'aimerais tellement que vous voyez les motifs. Attends, on va le mettre dans le bon sens... Donc c'est le laminaria, le laminaria, patron gratuit de Elizabeth Freeman. Laminaria, L A M I N A R I A, ça c'est tiré de laminaires qui, euh, qui sont des, des algues à la base, d'accord, les laminaires. Euh, Elizabeth Freeman, designer américaine qui avait fait paraître ce patron-là, je pense que c'était en 2014 sur le webzine euh, nitty.com, qui est un webzine qui est génial et qui n'offre que des patrons gratuits de manière trimestrielle et ça avait vraiment fait un vrai, euh, un vrai boom à l'époque. On avait assez peu vu de châles qui soient vraiment très dentelle, un petit peu plus vintage et euh, ça avait vraiment vraiment fait un, un gros boom à l'époque et pendant plusieurs années. Elle s'est directement inspirée des motifs de l'Estonie. Donc voilà, alors quand je parle de motifs de l'Estonie, vous voyez, euh, ça c'est très typique. Vous voyez cette, euh, ce, ce début, ce pistil, puis ensuite les, euh, les trois feuilles qui partent là, Bien, ça c'est typique de l'Estonie qui fait en sorte de travailler plusieurs fois dans la maille. Là, quand on fait un knit front and back, vous en avez deux. En Estonie, on fait beaucoup le fait de tricoter dans la maille, faire un jeté, tricoter dans la maille et le refaire euh, jusqu'à sept ou neuf fois. Donc, de une maille, je passe à neuf et ça me permet, vous voyez, de faire cette espèce de petit éventail. Donc, très, très typique, euh, cette fleur-là. Très typique aussi parce que euh, les dentelières de l'Estonie ont beaucoup travaillé euh, des motifs qui étaient euh, inspirés de la nature. Donc, on a, vous voyez, euh, des feuilles et le fameux point étoile, qui est un, un point que j'adore, qu'on peut retrouver dans l'écharpe orai, H-O-R-A-I d'ailleurs. Très, très belle, très, très belle écharpe. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Ah, voilà, on le voit encore mieux. Voilà, donc le petit point d'étoile. Je vais voir si on peut faire un petit... Voilà, ça fait un beau focus. Voilà, donc le fameux petit point d'étoile que j'aime beaucoup. Puis, je vais faire un petit focus sur mes fameuses, voilà, mes petites, euh, mes petites fleurs. Voilà. Est-ce qu'il sera donné en cours le laminaria En fait, je l'ai déjà donné le laminaria mais ah, vous allez être mon, mon groupe test euh, euh, vous allez je vais bientôt vous proposer un autre châle hein, parce qu'on est, on est bien parti euh, j'avais envie de peut-être vous proposer deux avenues alors il y en a peut-être qui vont arrêter de dormir et juste tricoter pour pouvoir faire les deux ou vous allez faire un choix mais j'ai envie de vous proposer et un châle en dentelle et un châle qui va plutôt être texturé, qui va amener, je vous dirai pas, c'est lequel tout de suite, hein, euh, mais qui va amener de la mosaïque, un peu de dentelle et un peu de, euh, de torsade. Donc, euh, et pas sous la forme en triangle, mais ça va être vraiment comme une étole, euh, un petit peu plus, entre guillemets, moderne et qui mélange trois couleurs. Donc, je suis un peu, euh, je sais pas si je vous en propose deux. Donc, un châle plus moderne. Et le châle où on va rester un petit peu dans cette tradition de la dentelle, eh bien, c'est un autre châle de Elizabeth Freeman qui est perlé et qui est une pure merveille. Et il s'appelle le Aéolien. Je ne sais pas, est-ce que tu peux mettre le lien du Aéolien Alors, c'est pareil, hein, c'est une grande bête. <laughs> c'est une grosse bébête, Aéolienne. Mais euh, j'ai toujours rêvé de le faire. Je n'arrête pas de le commencer. Attendez, je pense que j'ai un... Ah non, il est dans un des tiroirs des projets non finis. Ah, il est là Attendez, je vais voir si je l'ai mis dans un sac. Parce que voilà, ça, ça, fait ça fait partie des projets, entre guillemets, où il faut vraiment s'y consacrer parce que c'est une grosse bête. Euh, mais j'adorerais un jour avoir le temps de le faire. Il faudrait que je parte en retraite monastique pendant trois semaines. <laughs> Plus personne n'entendrait parler de moi. <laughs> Attendez, je vais voir si je laisse. J'avais commencé un début. J'aimerais vous le montrer. Alors, hop, hop, hop. Est-ce qu'il est planqué quelque part dans un des sacs. Ah, Est-ce qu'il est dans un des sacs Oui ah ah. Bon, c'est tout l'avantage d'avoir de nombreuses planques à projet non finis, parce que le moins je les vois et le moins je me sens coupable. <laughs> Alors, hop. donc je l'avais commencé. Et voilà, donc le Aeolian, c'est vraiment Magnifique châle perlé. On n'est pas obligé de le perler. Hein. Voilà, donc ça commence, vous voyez, avec euh, plein, plein, plein de petites feuilles. Je ne sais pas si vous les voyez bien, les petites feuilles. Voilà, plein, plein, plein de petites feuilles. Et évidemment, leur, euh, leur tige ici, leur tige centrale est perlée. Alors, comme je vous dis, hein, vous n'êtes absolument pas obligé de perler. C'est juste que ça, ça fait partie, genre. Vous voyez le, le genre de cadeau de mariage qu'on qu fait genre pour, pour, pour quelqu'un et tout. Enfin, c'est juste, euh, juste assez fabuleux. Ou alors, inviter, euh, inviter une soirée de l'ambassadeur. <laughs> je ne sais pas, mais vraiment. Je veux dire, vous arrivez avec un châle euh, comme ça. Vous volez la vedette même à... Hum, je ne sais pas qui. Mais, euh, mais voilà, c'est un châle absolument euh, superbe me fait euh, voilà je ouais non j'ai des photocopies en noir et blanc vous voulez pas voir la tête de mon patron c'est pas c'est pas le moment mais euh, voilà donc moi euh, j'ai décidé de me faciliter de la vie de le faire évidemment en mohair mais euh, voilà il peut se faire c'est c'est quand même à la base avec de la laine fine qu'on va le faire donc voilà je vous ai, vous savez pas encore ça serait quoi le, le prochain mais euh, voilà si on le fait euh, ça va être un châle sur un long terme parce que c'est vraiment une grosse bête euh, donc euh, on, on le ferait un petit peu sous la forme de atelier peut-être sur deux trois mois je pense d'accord comme ça tout le monde aurait son rythme euh, moi ça me permettrait aussi de ne pas culpabiliser d'avoir un xème laminaria en chantier qui sera jamais terminé alors le laminaria euh, le aélon a besoin de combien de mètres de laine alors là juste c'est 1000 mètres mais je crois qu'il y a deux tailles. Il y a deux, de tailles, hein. 300, deux tailles, 393 mètres et ouais. 1000 mètres. Voilà, donc il y, a, il y a deux tailles au laminaria. OK, il y a vraiment euh, la petite taille, 390 mètres. Donc euh, moi, j'appelle ça la taille bandana. Personnellement, je ne fais, okay. fais pas de châle de cette taille là parce que je ne les mets pas. Et puis il y a le, le, le gros qui est 1000 mètres. Donc la châle, euh, voilà, Bon, je suis désolée, hein, la photo, c'est est, est une, une impression noir et blanc. Donc ça, c'est le petit, vous voyez. Donc peu de répétition, donc c'est un petit, c'est ce qu'on appelle aussi une cholette un petit une petite, euh, un petit châle, tout petit. Mais le grand, attendez, je vais voir si je retrouve le grand avec cette belle photo euh, du modèle face à son rocher, voilà. Okay. Voilà. Bah, alors, voilà, vous voyez là, on est plus sur la taille bandana. <laughs> On est, sur la taille, euh, voilà. On est sur la grande taille, mais c'est vraiment un superbe châle. Euh, voilà, donc ça j'avoue que si vous êtes partant avec moi, ça me permettrait d'en finir enfin un. Voilà. Euh, donc au niveau de la, la, du métrage de laine, euh, le petit prend... Tu m'avais dit combien, Caroline 390 390 mètres et le grand va prendre 1000 mètres. Et oui, plus grand que le Hope Remains, c'est pour ça, Odette, que je disais, c'est le genre de châle que l'on va prendre comme un éléphant, une cuillerée à la fois. On va y aller tranquillou. Il n'est pas, pas excessivement difficile, hein. c'est pas, je veux dire, après être passé à travers le Hope Remains, c'est puis là, ce que vous êtes en train de voir... Euh, vous comprenez, hein, on met des petits anneaux repères, c'est des répétitions avec des diminutions, des jetés. Je veux dire, euh, vous avez compris l'essence le, de la dentelle. Là, je vous dirais que c'est plus euh, se trouver assez de temps et, euh, et de la motivation tous ensemble. Et c'est ça qui est cool, c'est quand on est tous ensemble, on a de la motivation pour aller jusqu'au bout. Donc, je, vais, je, je vous présenterai, je ne sais plus au niveau du calendrier si c'est la semaine prochaine ou l'autre, mais. Euh, C'est peut-être la semaine prochaine. Je vais vous présenter aussi l'autre châle pour ceux qui veulent euh, commencer peut-être d'autres techniques que la dentelle euh, et faire euh, quelque chose euh, très contemporain. Dans, dans, dans le Donc il y en aurait deux. Puis en plus, le laminaria, si on le fait sur un long terme, ça pourrait nous permettre même de faire les deux. Moi, je vais devoir faire les deux hein, puisque je vais vous les enseigner. Donc <laughs> Est-ce qu'on peut le faire entre les deux alors oui, euh, en principe, tu peux le faire entre les deux puisque tu as la répétition euh, de, des petites feuilles au départ et c'est cette répétition en fait que tu peux euh, décider de faire plus petite ou plus grande. Donc oui, tout à fait, tu peux décider de le faire entre les deux, tout à fait. Oui Diane, je suis d'accord, ça serait un super beau projet pour l'été, vraiment. Ouais, je suis contente, tout le monde est partant. <laughs> bon. À part ça, est-ce qu'il y avait des questions euh, Est-ce qu'il y avait des questions juste par rapport au Ocean Breeze Mais là, on est devenu, on est devenu tellement bon là, <laughs> j'ai même plus besoin. En fait, je vais juste passer vos regarder vos, vos châles. Euh, D'ailleurs, j'ai envie de vous en montrer parce qu'il y en a qui, écoutez, ils, ont, ils les ont terminés. C'est magnifique. On va juste faire un petit, euh, on va jouer, juste aller regarder un peu. Hop, alors, hop, on va aller sur Slack. Euh, alors, vous avez, je ne vais pas regarder les débuts qui sont descends, magnifiques. Ah, il faut que je descende. Okay. Euh, mais c'est parce qu'il y en a. Les coquins, ils les ont carrément déjà terminés. Donc, je voulais vous montrer. Euh, je voulais les, les montrer terminés. Euh, attendez, attendez. Ah, ça l'aude. Ah, ok, on a un petit. Euh, voilà. Alors, Guylaine qui a terminé le sien. Bon, là, on ne voit pas trop les motifs. Oh, voilà, Guylaine, on voit, on va le regarder. Regardez-moi ça, tout perlé, s'il vous plaît, madame. Regardez-moi comme c'est joli, quoi. Bravo, Guylaine, il est absolument magnifique, ton châle. Euh, je me suis régalée en le, en le regardant. Puis, c'est intéressant, ce que vous voyez, là, elle l'a bloqué comme c'était demandé euh, dans le châle, que ça soit carré. Moi, j'avais bloqué en le faisant pointu, parce que j'ai toujours du mal avec les, les coins carrés. <laughs> J'aime tourner les coins en rond. Euh, mais c'est très intéressant ce truc comme ça. Vous allez voir, euh, vous allez voir comment c'est. Parce que dans le mien, vous l'avez vu, mais vous l'avez vu euh, pointu. Et Diane, juste je vais le montrer parce que tu arrives à la fin. Puis les couleurs sont juste magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup tes couleurs, Diane. Euh, Est-ce qu'il y en avait un autre de terminé oh, Ça aussi, c'est très beau. C'est magnifique. Les perles en plus ressortent très, très bien. C'est beau, Carole. Il est. Ah, oh, attends, c'est qui Hélène, t'arrives à la fin. Vous êtes plus rapide que moi. Oh, Liliane, voilà. Allez, un dernier, juste pour se faire plaisir aux yeux. Regardez-moi ça. Celui de Liliane, c'est vraiment des belles œuvres d'art. C'est superbe. Donc, voilà. Bon, c'était juste un petit browsing, mais franchement, bravo. Euh, vos châles sont magnifiques. Je suis... Je ne peux pas dire que je suis fière de vous parce que j'aurais l'impression un peu d'être une maman avec mes enfants, mais là, mais vraiment, <laughs> c'est super beau. <laughs> Donc voilà. Bon, ben j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Vous êtes devenue trop bonne. Je vais être complètement inutile en fait. <laughs> je ne comprends pas le blocage carré ou pointu. c'est à ce moment-là, c'est la manière dont on va épingler. Mais ne t'inquiète pas Valérie. De toute façon, on va avoir un cours qui ne sera que sur le blocage. Pour bien comprendre comment bloquer notre châle parce que tu vois là sur les photos que tu as vu euh, les bouts étaient attends je vais te montrer le bien les bouts étaient très carrés tu vois les bouts étaient, étaient comme ça ok je sais pas si tu vois parce qu'avec mes doigts c'est peut-être pas l'idéal tu vois c'était très carré moi euh, j'ai été un peu rebelle je l'ai bloqué plus plus en faisant un, un triangle comme ça tu vois je l'ai bloqué en pointe de flèche plutôt que carré Daniel, tu te demandes comment rabattre. Il va falloir attendre le cours du rabattage. <laughs> ok. Merci Patricia. Bon, bah écoutez. Euh, et Daniel, si vraiment euh, tu, tu veux, euh, tu, tu veux euh, aller très très vite, tu peux aller aussi sur euh, le groupe du Hope Remains. Je ne sais pas si tu l'avais fait ou pas, mais euh, dans le Hope Remains, je vais montrer aussi comment rabattre au châle. Oh, merci Lynn OK. Ben écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Aujourd'hui, c'est une journée qui est très spéciale pour la maison tricotée. Pour ceux qui suivent un petit peu Ah ah, je vois qu'il y en a qui suivent. Hey Melissa, tu m'as devancé. Donc <laughs> Pour ceux qui suivent, donc aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. En fait, ça va être une semaine très spéciale puisque ça va être vraiment une semaine sous euh, le, le thème du tweed. Hein, vous savez que je fais affaire avec euh, la dernière filature de tweed à l'ancienne du comté du Donegal en Irlande. Et on va recevoir euh, bah, le tweed que normalement on tient. Euh, le tweed à la, la grosseur à rang, que j'adore, c'est vraiment un super beau tweed, mais on l'a de manière séparée. C'est long à venir, euh, puisque ben, souvent les employés qui sont là euh, ont, ont aussi une ferme, donc c'est souvent des gens qui travaillent entre, la, euh, entre les champs et la, et la filature. Mais on a un deuxième tweed. Donc on a, on, a, on a un peu fait rouler le tambour pour annoncer ça. Parce que c'est un tweed qui est très, 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 très rare. Parce que c'est un tweed à partir de petites laines recyclées. Vous allez pouvoir voir, j'ai écrit un article dessus qui va paraître à 18h pour comprendre un peu le phénomène de la tweedie. Euh, vous avez de la chance. Je me suis dit, ben, eux, c'est mon groupe. Je vais leur faire un tout petit euh, preview. Vous avez quelque chose que là, il n'y a personne qui a. Euh, donc, je vais vous montrer un peu c'est quoi la tweedie, mais je vais juste vous la montrer. Voilà. Alors, la tweedie, c'est ça. Donc, c'est la marque Hedgehog. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est un mélange... C'est un mélange, en fait, de laine Falkland. Donc, peut-être que vous avez été voir le... L'article que j'ai écrit sur euh, les îles Falkland et sur la laine Falkland. Donc 50% des, de laine Falkland, c'est très doux. Hein. Et puis, vous euh, voyez toutes les petites couleurs et tout En fait, c'est les nœuds qui euh, servent à retenir les écheveaux pendant les bains de teinture des écheveaux de Hedgehog. Donc il faut savoir que les nœuds, c'est forcément des nœuds en laine afin que la teinture puisse passer à travers les nœuds et que ça ne fasse pas de lignes blanches, bien sûr. Donc. Ils récupèrent ces petits nœuds de laine un après l'autre et ils les ont fait filer avec la base de Falkland et de la laine qu'ils ont recyclée. Donc, par exemple, quand leurs clients euh, ne prennent pas une commande ou quoi que ce soit, ou qu'il y a un petit défaut, eh bien, ils recyclent la laine. Donc, c'est une, euh, une œuvre qui est 50% de laine recyclée et 50% de laine des îles Falkland. Donc, c'est assez fou, malade. Alors. C'est pas pour faire monter la pression, d'accord, mais euh, il n'y en a que 50. On en a 50 sur cette base de grisé, rosé, beige et 50 noirs. Pourquoi Parce que euh, c'est très rare. Parce qu'évidemment, vous imaginez le nombre de nœuds qu'il faut pour faire une énorme batch de, de tweedie. Donc, euh, grosso modo, ça apparaît deux fois l'année, trois fois l'année, et ils ne, ils ne prennent que quelques boutiques de laine à travers le monde. Donc, on a eu la chance. Euh, D'être euh, entre guillemets comme pigé dans, leur, euh, dans le choix des détaillants, et nous n'en avons droit donc qu'à 50, 50 par personne. Voilà, Enfin, 50 par, par personne serait merveilleux. Euh, 50, euh, 50 de chaque couleur, et c'est tout ce qu'on pouvait avoir. Donc, c'est pour ça que c'est très très précieux. On ouvrira euh, la vente, on ouvrira le produit euh, sur le site à euh, 6 heures, top précise. Euh, ça va être difficile de mettre la main dessus, je vous le dis tout de suite. Hein, je... C'est pas, pas pour faire, pas pour faire des, des, des combats de gladiateurs dans une arène, ça a rien à voir. Mais c'est pour vous faire un peu comprendre. C'est indiqué, d'accord. Vous avez 230 mètres au 100 grammes. Euh, Caroline qui est là m'a montré le pull qu'elle veut faire avec, qui s'appelle le Sawyer. S a w y e r. Elle va leur mettre le lien. Le Sawyer de euh, euh, Sari Nordland. Euh, évidemment, Andrea Mori euh, avec le Beach Cardigan qu'elle a fait. Personnellement, il est beau, mais je préférais définitivement faire le Sawyer. Et euh, pour ceux qui veulent faire le Pink Fizz, ça fonctionne aussi en fil simple. Voilà, donc c'est indiqué, c'est un 230 mètres au 100 grammes. Euh, je vous conseille d’être là à 18h si vous en voulez, ce n'est pas donné hein. Je vais pas vous dire oh ça coûte une bagatelle c'est pas vrai, ça vient d’Irlande. Euh, c'est un travail énorme pour pouvoir faire une, une balle de, de laine comme ça. Euh, la laine Falkland elle vient de petites îles qui sont à côté euh, de l'Argentine. donc non c'est pas donné. Il y a 40 dollars les chevaux euh, je vais pas je vais pas vous chanter euh, je vais pas vous chanter des bêtises euh, ça coûte cher mais il y a une raison et il y a une très très bonne raison hein, pour une fois euh, souvent on achète des je dirais on achète des habits parce qu'il y a une marque de, dessus mais le, le tissu et la coupe c'est franchement pas ça là la valeur qui est mise dedans c'est une vraie valeur hein, c'est une valeur euh, je veux dire autant les petites flexes de couleur autant la laine de base et tout il y a une raison voilà Allez, je vais pas, je vais pas, euh, je vais. <laughs> Il y en a qui vont pas. Les enfants vont arriver. Non, non, je fais pas le dîner, je fais pas le dîner. <laughs> je dois rester. <laughs> voilà. Euh, allez, j'arrête. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ça m'a fait encore une fois super plaisir d'être avec vous. Je sais qu'on n'est pas en présentiel, mais euh, de vous savoir derrière, de voir vos petits mots et tout. Euh... Puis je vois qu'il y en a qui m'envoient des petits mots. Ben ça me touche énormément. Voilà, euh, Mélissa, pour le beach cardigan, euh, regarde, va regarder ta taille et regarde les métrages, d'accord C'est ça le plus important. Tu sais que en plus euh, elle l'a fait avec euh, la Tweedy, donc tu vas le voir, ok Allez, je vous souhaite vraiment une très très belle fin de journée. Puis merci d'avoir été là. Bye bye.